La construction du réseau du Grand Paris Express, eh bien, ce sont 200 km de voies nouvelles de métro automatique avec 72 gares à construire d'ici 2030. C'est un projet qui est à la fois un projet de développement économique, puisque autour de ces gares, il y aura de nombreux projets de développement d'activités. C'est un projet qui contribuera aussi à faciliter la vie des habitants de l'Île-de-France, à la fois en termes de transport. La mobilité, c'est essentiel dans une métropole, pour son développement économique comme pour sa cohésion sociale. Et puis faciliter la vie aussi de demain en contribuant à la construction de nouveaux logements autour des gares. Et puis ce projet, ce sera aussi un projet créateur de nombreux emplois. Pendant les travaux de construction du réseau de transport et des gares, on estime qu'il y aura entre 10 000 et 15 000 emplois chaque année. Et puis à terme, la création du réseau lui-même contribuera au développement de la région Île-de-France, puisqu'on pense qu'il induira plus de 100 000 emplois supplémentaires en Île-de-France d'ici à la construction du réseau en 2030.